Ben voilà, on est parti pour notre week-end d'intégration avec notre pôle de formation et nos trois sections, développement, sport, études et performance. Voilà, histoire de souder tout le monde, de commencer la saison sur un bon pied et normalement ça devrait bien se passer, c'est des moments assez sympas. Tu connais les snipers ? Je me montre bien le caillou. Vous allez être attaché comme venez sur moi, l'avant-bras. Et vous allez devoir passer toute la soirée jusqu'à 22h30 attaché. Donc vous allez devoir manger, jouer à la console, attaché avec votre frère sur moi. Allez les gars, attention les poils. Léo, Lucien, esprit d'équipe avant tout. Donc là, on est au deuxième jour du week-end d'intégration. Donc on a passé la nuit sur Montbrun. Petit réveil matinal avec un petit footing. Ça s'est plutôt bien passé. Là, on va leur faire un petit tournoi flag pour passer un petit peu sur le côté sportif du week-end. Et voilà, donc on va essayer de mettre quand même un petit peu d'intensité dans les exercices, mais en essayant toujours de garder le côté un peu fun et surtout un côté plaisir pour qui est l'objectif de ce week-end. C'est vraiment une bonne chose parce que ça permet aux nouveaux de s'intégrer et puis aux anciens de continuer à forger l'esprit d'équipe qui est vraiment important dans le sport, ce qui nous permet de gagner des matchs et surtout dans les moments difficiles quand c'est bien serré. Il y a beaucoup d'activités comme ce matin par exemple le footing, ce qu'on a fait au niveau avec les coachs, les pizzas, tout ça, jouer au foot en salle, ça nous rapproche tous, on apprend mieux à se connaître. C'est sympa parce que c'est toujours des bons moments. Des fois, le climat n'est pas forcément avec nous. Là, cet après-midi, on a de la chance, c'était beau. Et voilà, c'est des bons souvenirs, on s'éclate. Après, voilà, toute l'année, on s'en souvient et même les années précédentes. Donc ça permet vraiment de se rapprocher et puis d'être avec ses potes. Quoi, c'est Ça apporte quelque chose d'un peu plus vivant dans le partage du sport, quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça me permet de les voir un peu dans un autre cadre, un cadre un peu plus cool, un peu plus fun, où on est plus sur de l'amusement, du divertissement, voilà. Pouvoir jouer avec des gamins avec qui, malheureusement, je pense que je ne jouerai jamais sur le terrain parce que notre carrière ne va pas durer longtemps et qu'ils ont encore 4 ou 5 ans avant d'être senior. Voilà, tous ces gamins qu'on suit toute l'année, avec qui on s'investit beaucoup et pour qui on fait beaucoup de sacrifices, c'est bien de pouvoir prendre du fun avec eux et de se rappeler pourquoi on fait ça. On est là pour travailler la cohésion de groupe, donc c'est super important que les coachs jouent le jeu. Et puis de toute façon, c'est comme le dit JB, c'est un plaisir pour nous de jouer le jeu. Quoi. À la limite, si on pouvait le faire plus souvent, je pense que nous, ça ne nous dérangerait pas non plus. Mais donc ces week-ends-là, il faut vraiment en profiter pour relâcher, pour souder le groupe et pour apprendre à connaître les jeunes sous un autre angle. Allez, tout le monde!